Dieu, j'ai l'air de pleurer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait aujourd'hui comme vidéo, j'ai décidé de réagir à mes vieux vidéos et photos quand j'étais jeune. Puis on va s'entendre que c'était assez cringe, merci, parce que je n'ai fait des affaires quand j'étais jeune, puis c'est pas magnifique. On va commencer maintenant. Comme première vidéo, ben quand j'étais jeune, en fait, à l'âge de 5 ans, je crois, ma brillantité a été d'aller à l'école des femmes. Mais tu sais, on va s'entendre que je chante pas très bien. Mais bon, j'ai décidé de faire l'audition pour l'école des femmes. Ça a l'air que l'émission est encore sur YouTube. Donc, on va réagir à cette vidéo. Oh mon dieu. Fait que ça, c'est la vidéo quand j'étais jeune. Puis tu sais, on me voit. On me voit sur la petite miniature. Je peux-tu comprendre? Attention à vos oreilles, vous risquez d'avoir mal. Pis intense, parce que... Ouais, on y va. Bon, j'avais l'air de quelqu'un qui voulait pas être là. Mais quand je dis « voulait pas être là », c'est que... Elle voulait pas être là. Mais en dedans de moi, moi on me dit que ça me tentait d'être là. Mais ça a pas de l'air. Ok, ça fait comme 2 secondes que la vidéo est commencée pis je suis pas à l'aise. Mais j'étais cute, mais j'étais cringe. En tout cas, je pense que c'est assez. Fait que cette vidéo-là, c'était un workshop avec Matt Tremblay pis des gens comme que aujourd'hui sont bien connus en danse. Pis ben ouais, moi j'étais là, allô. T'sais, la petite fille de, je pense que c'était en quelle année? En 2012, j'avais 11 ans. J'étais avec des gens de 24 années. Tu sais, pour une fille qui est vraiment gênée, danser avec des gens qui ont plus d'expérience que moi, parce que tu sais, à 11 ans, j'avais de l'expérience en danse, mais j'étais gênée. Fait que ça a fait que c'était dégueulasse. Fait qu'on va regarder ça. Je l'aime, le plancher. Mais tu sais, je regarde tout sauf la caméra. Puis les mouvements, je les faisais comme un spaghetti. Puis est-ce que vous avez remarqué, je portais un chandail Stitches. Parce que tu sais, en 2012, la mode c'était les gros jogging, les petits souliers cucu, puis le chandail Stitches. En tout cas, dans ma région où j'habitais avant, c'était ça, la mode en hip-hop. C'était pas fun. Ok, je vais juste arrêter là parce que je suis plus capable, c'est vraiment dégueulasse. Je suis comme plus capable. Merci maman d'avoir mis ça sur YouTube. Merci. Merci. La première photo, quand j'étais jeune, je me rappelle plus c'est quand, je pense que c'était en 2013, je suis vraiment pas certaine, je voulais être mannequin. Je m'étais inscrite dans une agence. Attends, faut que je m'en mouche plus capable. Puis j'avais été prise dans l'agence de mannequin. Sauf que les photos, quand j'y repense, étaient assez dégueulasses, merci. Ouais. Est-ce que vous pouvez admirer ma face de constipée? Avec la pose de fille constipée? Je sais pas, j'avais pas l'air là, j'avais l'air décédée. Aïe aïe, ok. Quand on était jeune, il y avait une application qui s'appelait Retrica. Puis cette application-là, c'était comme une affaire que tu prenais des photos à automatique parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas le compte à rebours sur nos cellulaires. Fait que Retrica, il y avait ça. Fait qu'on tripait bien gros, puis en plus de ça, il y avait des filtres pis tout. Puis moi, j'étais dans le bateau du monde qui tripait bien raide puis too much à cette application-là. Fait que je mets des photos en tabarouette sur Retrica. Ok. J'ai pas de mots à dire sur cette photo-là parce que c'est assez malaisant, merci. J'ai la petite pose qui me malaise un petit peu assez pas mal beaucoup. Fait que je vais juste arrêter ça là. Donc, quand j'étais jeune, je tripais à un certain point, mais je vous le dis, je tripais sur les schtroumpfs. Puis tellement que je tripais, il y a une année, j'ai décidé de me déguiser en schtroumpf. On m'avait peinturé de toute la face, au trou de nez, jusqu'en arrière des oreilles, dans le cou aussi. C'est ça, j'ai juste ça à dire. C'est ce qui conclut ma vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Si vous voulez une partie 2 de cette vidéo-là, ben vous avez juste à me le dire dans les commentaires. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!